C'est parti. Eh bien, bonjour et bienvenue. Bonjour Edgy. Alors, on est parti pour le petit live du samedi après-midi, tranquillou. Et ce coup-ci, on se retrouve à Amiens. Oh oh. Donc, on a la Somme, là, par ici. En fait, par rapport à la ville, aujourd'hui, on va se retrouver à l'ouest. Salut Antonin. Oui, un petit live sur Amiens. Donc on est à l'ouest. Donc tout à l'heure, l'autre coup avec le Quai Bellu, le club nautique, on avait le port d'Amont. Ici on va voir du coup le port d'Aval, et en face du port d'Aval, on a l'école d'ingénieurs. C'est elle qui a gagné le vote. L'école d'ingénieurs d'Amiens. Une école d'électronique, et on voit tout de suite à la forme des bâtiments, ça fait comme un tracteur. Un espèce de tracteur, c'est une forme de folie. Le bâtiment date de 1994, par là. Je crois que les études ont démarré en 1994, donc il devait être en travaux un petit peu avant. Et c'est du moderne, c'est dû à deux architectes, Jean Dubus et Jean-Pierre Lotte. Salut White Tiger. Donc, alors, bien connu des Amiénois, parce qu'on a un grand axe de passage ici, là, on voit qu'il y a un grand rond-point, il y a une grosse artère qui permet de sortir et de rentrer dans la ville. Et ici, le rond, ça correspond à une soucoupe volante. Salut l'or. Donc, on va commencer par la soucoupe volante, hein. Alors, le bâtiment, au niveau des couleurs, ça va pas être trop compliqué parce que il est blanc. C'est du tout blanc. Il n'y a pas. Donc, on va partir sur le béton, je pense. Oh là, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un petit peu loin. Ah ouais, si je vais jusqu'ici, ok. Je pense, et pour tout ce qui est dalles et escaliers, on va taper dans le quartz. Hein. Tac tac, les dalles, elles sont là. Un béton blanc, il paraît un peu plus gris que. On va aller vérifier ça. Et il fait un petit peu plus gris, c'est marrant ça, par rapport au quartz. Sinon je prends le quartz, le bloc de quartz je l'ai pas changé, j'avais grisé un peu les blocs de quartz sculptés et les blocs de quartz rayés, mais j'avais pas touché aux blocs de quartz. Par contre quand on les accole, on voit comme une petite délimitation. Ça peut à la limite faire des trucs intéressants pour les utiliser avec à l'intérieur du bloc de béton. C'est dommage que le bloc de béton soit pas complètement blanc. Bon. On va faire avec. Alors, le bloc de béton. On va tout de suite repérer son code. Parce que ça, on va l'utiliser tout le temps. C'est du 251. Parce que bien entendu, notre soucoupe, on va la faire grâce à World Edit. Sinon, ça va être un petit peu dur. Alors, c'est une soucoupe, en fait, ça fait comme un bol. Comme un bol de céréales. Donc, pour faire des ingénieurs, c'est pas compliqué, la recette est simple. On prend un grand bol, on met des céréales, du lait. On met des jeunes, on met du lait. Ça fait plop, 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 et hop, on a des ingénieurs. Alors, on va arrêter de dire des bêtises. Salut Lily! Surtout s'il y en a qui viennent nous écouter. Ils vont pas être très contents. Donc, la commande de base pour faire un cercle avec... alors, je crois que c'est deux slash. C'est H-Seal pour faire le cercle. Hein, le cercle. Si on fait Seal, donc c'est YL, c'est le cylindre. Et H, c'est Holo, donc c'est pour... qui est que le périmètre en fait.
On indique ensuite la matière avec laquelle, donc on a regardé la matière du béton blanc, c'est 251. Ensuite, on met le rayon. Donc ici, on va partir sur un rayon de 13 et on indique une hauteur. Et hop, on a un premier cercle. Alors on va vérifier qu'on a bien un rayon de 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc ça fait 13 et 13, 26. Ça fait 27. Ça fait un diamètre de 27 en fait. Alors je vais quand même reprendre mon plan. J'ai fait un petit plan. Hein. Commencer à me connaître. Sortie du plan. Il n'y a plus personne. Alors, on va faire. On va faire. Du coup, je vais écarter à chaque fois. Zut. Alors, je mets. Pour être sûr de bien être au milieu. Hein. Donc, on va se faire un deuxième cercle ici. Et là, on se décale de 2. Donc, on va faire un cercle de rayon 15. Pop. Oh oh. Et ainsi de suite. J'allais le dire. Hop. Alors, maintenant, c'est bon. Donc, maintenant, 1, 2, 17. Pop. Et ensuite, encore un de 2. Donc, 2, 19. Hop. Ensuite, on va. Donc, comme on a une courbe, oh, ça fait rigolo sur. Ça fait mignon tout plein. Comme on a une courbe, maintenant, il faut qu'on monte avec seulement un degré. Donc, je reprends. Et donc, là, je fais un de 20. Et après, je vais faire un de 20, un de 21, un de 22 et un de 23. Que j'aille trop vite parce qu'après il faut que je tienne tout le live avec ça. 20, 21, 22, 23. Et ensuite on est à une certaine hauteur. Maintenant on va carrément monter. On avait décalé de 1, là on va décaler de 0. Donc en fait on va faire des petites surfaces de 2. Donc on en refait une encore de 23. Voilà. Et au-dessus on va en faire 2 de 24. Alors en fait ici je pourrais faire 24, 2. Mais je vais le faire en deux fois parce que comme ça, ça fera joli pour le replay mode. Hop! Alors. Et voilà le bol de céréales, la soucoupe volante. Je vais regarder. Donc notre ami Google Maps. Ah, elle est peut-être un peu plus évasée en fait. Hein. Ah. Là ça fait peut-être un peu trop bol. Ah. Tac tac tac. Sur le plan ça me paraissait moins creux. Ouais, dans la réalité, elle est plus. Elle va vraiment. Comment on va pouvoir rattraper ça? Ouais, le rattraper, c'est pas compliqué, hein. Il suffit de faire des grands coups d'undo. Ouais, en fait, les bouts sont pas pointus. Ils continuent de s'élever comme s'ils étaient à 45 degrés. Donc en fait, ça veut dire que le haut, faudrait pas que je fasse des hauteurs de 2. Alors je vais regarder ce que ça va impliquer si je change pas le diamètre. Ouais, ça va me mettre le bazar si je change pas le diamètre. Oh bah, je suis tombé dans l'eau. Alors, parce qu'en fait là derrière, faut que je fasse attention. Parce que j'ai des bâtiments, donc je peux pas l'agrandir. Je peux pas l'agrandir tant que ça. Ah, salut les taux, re-salut les taux.
Bon, ben on va se refaire la courbe, hein, c'est pas grave. Il faut, je pense, que... Donc on soit un peu plus sur une forme comme ça. Ah, par contre, au sol, ce qui m'embête, c'est que du coup, ça va être quasiment à 45 degrés. À 45 degrés. Ouais, presque, hein. Bon, pourquoi pas à la limite, hein. Bon, bah, on va faire toute une petite série de undo. Heureusement, les undo, on peut les... paf. C'est magique. Et heureusement qu'il y a ça, parce qu'elle fait en survie. Donc là, j'étais sur un diamètre de 13. Là, un diamètre de 15. Donc bah, là, ça va être à chaque fois, j'agrandis de 1 à chaque fois. 16. Allez, hop. On se recale bien. Allez, on va aller rechercher notre... Ah bah non, 16 justement, on n'avait pas fait. Donc normalement, à chaque fois, ça doit nous remplacer notre bloc de quartz. Donc on monte de 1. Alors, comme c'est un cône parfait, je pense que ça devrait être faisable en une seule commande, mais... je la connais pas. Arrive au bout. J'aurais dû finir à 24. Comment on dit 16 en chinois? Ça, c'est pour la leçon numéro 5. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Alors, en fait, elle est encore un peu plus évasée que ça. Hein. Surtout à la base. Le haut, c'est bon. De toute façon, on peut pas faire guère plus. Mais à la base, quelle hauteur ça a déjà mon truc? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Est-ce que j'ai mis 11 là? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah non, j'en ai oublié une. Ah, c'est pour ça que j'avais pas mon 24. Hop. Je veux mon 24. Salut Dark Vador. Alors, ce qui serait pas mal en fait, c'est que le bas il soit un peu plus. J'ai un peu plus de 2 dans le bas. Alors, je vais regarder par rapport. Ça, je peux le faire. Il n'y a pas de souci parce que. Avec mes gradins. Alors, dans cette soucoupe, ce qu'il va y avoir, c'est des amphithéâtres. On comprend bien tout de suite pourquoi ils ont fait cette forme. Hein, en fait, on retrouve bien l'aspect théâtre antique. Donc, ils ont été mettre les amphithéâtres dans cette soucoupe volante. En plus, comme c'est une école d'ingénieurs en électronique et en tout ça, c'est... faut que ça soit moderne, quoi. Il faut que ça soit moderne. Alors, si on veut lui donner un petit peu plus de... Là, on va mettre
deux comme ça, deux comme ça, et... Ah non, ça serait un comme ça. On va essayer comme ça. Donc en fait, il faut que... Le problème, c'est qu'il faut que je supprime... Il faut que je supprime les trois rangs du bas. Donc là, ça va être un petit peu plus compliqué. Juste un tout petit peu plus, hein. C'est pas... On se met ici. On veut supprimer les trois rangs du bas. Et on va de l'autre côté. Hop. Donc j'ai fait une sélection et je vais supprimer que le béton. Donc je vais faire un replace 251 par 0 et voilà. Alors là j'ai quoi comme rayon? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop. C'est bon. Donc à ce niveau-là. Se faire un cylindre de 13 et un de 14. Hop. Pourquoi 0 bloc? Ah. J'ai pas lancé deux fois un 13, ça pouvait pas marcher. Voilà. Et au niveau du dessus. On balance donc un 15 et un 16. Allez, on va aller voir ce que ça donne. Est-ce que je vais enfin avoir ma soucoupe volante? Ouais. En fait, elle est peut-être encore un petit peu plus évasée. Je le repousse de 1. Je vais faire un undo. Je vais le repousser de 1 encore. Je cherche vraiment à avoir la même forme que. J'ai un peu perfectionniste. Donc, encore un undo. Donc. Faire comme ça. Donc là on va être à 11, hein, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ouais, 11. Hop. Donc un coup de 12. Clé de 12, clé de 13. Clé de 14. Clé de 15. Oh, puis au-dessus, on peut mettre un coup de clé de 16. Salut Bouboune, coucou. Alors, on fait aujourd'hui dans le bol de céréales. Retrouve cet aspect évasé. Il faudrait que je la fasse ouais, dans la réalité la pente est pas de 45, elle doit être un petit peu plus allongée. Le problème c'est qu'avec nos deux blocs après derrière on n'aura pas de quoi construire un amphi. Or j'ai envie de construire un amphithéâtre à l'intérieur. Alors pour l'intérieur j'ai pas les plans, j'ai quelques photos, mais de toute façon j'ai pas envie de faire les plans hyper réalistes. Alors s'il y a des petites erreurs par rapport à... Bah, pour les bâtiments ici,
pop, il y aura des erreurs. Mais s'il y a des petites erreurs, c'est pas grave et c'est même à la limite voulu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok, doc. Parce qu'après, du coup, ouais, ça va me changer quand même quelques petits trucs. Alors ici on va avoir un gros poteau, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On va avoir un gros poteau. Qui va soutenir en fait bah, toute la coupole. Hein, puisque c'est pas à l'air libre, hein, bien entendu. Hein. Et toute la coupole du... de l'amphithéâtre. Elle va être soutenue par ce poteau là et elle va aller rejoindre les bords. Alors les bords ils sont pas complètement joints, c'est à dire là on va avoir un petit passage pour laisser passer, parce qu'il y a des vitres ici. C'est assez spécial comme système. Je vais peut-être vous le faire en coupe. Donc si j'ai 11, je monte encore de 2. Alors en haut ça s'élargit un petit peu, hein. Alors le problème c'est que faire des élargissements avec, avec des blocs de Minecraft, c'est pas évident. Qui c'est qui vient de... Eh bien merci Carcosian pour ton suivi, et bienvenue. Salut à toi sur ce petit live. Alors les vitres, j'utilise très souvent le noir, hein, parce qu'en fait elles sont pas si noires que ça. Et quand on les regarde de loin, des vitres, c'est jamais transparent en fait. Donc là, on va avoir toute une couronne de vitres tout autour. D'ailleurs, si on veut se le faire, c'est 95-15. Alors on continue, 1, 2, 3, 4. On se met là. Et merci Dark Vador de t'être abonné. Merci à toi. Un grand 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 merci. 95-15. Ah zut. Je suis trop haut. Du coup faut que je descende ma. Il faut que je descende mes pieds. Hop. Donc ici on a. Alors normalement c'est un rond, hein, mais avec 3 de blocs, 3 de diamètre, ça va être carré, hein, bien sûr, tant pis. Hein. Donc on a tout un rond de lumière qui va pouvoir apporter de la lumière à l'intérieur ici. Hein. Et ensuite, eh bien ça va très bien, Carcosian. Très très bien. Pop. Donc ici j'ai 4 blocs, 1, 2, 3, 4. Après je mets 4 dalles, 1, 2, 3, 4. Devinez, on va mettre 4 blocs, 1, 2, 3, 4. Suivi de 4 dalles. Non. On va en mettre un petit peu plus, on va en mettre 6. Et là on termine ici avec une vitre. Donc ça c'est les vitres qui vont permettre d'avoir de la lumière dans l'amphithéâtre. Et ici il y a un chemin de ronde qui permet de faire tout le tour de la soucoupe. Ah c'est pas un mi. Ah ouais. On va mettre des petites ailettes là. C'est vrai que vu comme ça, on se dit les architectes ils sont quand même un peu fous. Hein. Donc ça va faire tout le tour. Et bah pareil, je le ferai avec le H-cylindre. Hein. Mais je vais d'abord faire le. Je vais pas mettre le toit tout de suite. Alors pour cause de replay mode.
Alors le toit, du coup, d'ici, je pense qu'on va pas le voir, hein. Ouais, c'est ça. Alors que dans la réalité, on le voit un petit peu, il est légèrement bombé. On voit cet aspect bombé. Ici. Pour l'aménagement, ouais, ça va être. C'est pas des amplis immenses, hein. C'est une petite école, il y a je sais plus combien, ils atteignent même pas 1000 étudiants. Donc ils n'ont pas besoin non plus d'un très grand amphi. Très grand amphi. Bien que normalement on devrait dire grand amphi, mais non, on dit grand amphi. Dans ce bazar-là, il y a trois amphis en fait. Il y en a un grand et il y en a deux petits. Alors, on va finir, on va combler les trous. On va combler les petits trous. Donc je prends mon béton et je bouche ces trous. Non, les trous, on l'a dit. Donc quand c'est comme ça, je mets ici. Tac. Tac. On fait tout le tour. Ça, c'est l'aspect tranquille. Hop, on a fini cet étage-là. On fait celui-là. Hop. Hop. Là, j'ai des gros mélanges de musique, hein. Va falloir que je fasse un petit peu de tri. Il faut que j'enlève peut-être les musiques médiévales de mes lives d'Amiens. Par rapport à la série Mass, j'ai du gros rock qui tâche. Mais comme c'est la liste générale, j'ai un peu toutes les musiques. On remonte, hop, au niveau du dessus. Tac. En fait, je rebouche, c'est par rapport à l'extérieur, puisque à l'intérieur, ici, la pente va être beaucoup plus. Vous imaginez bien que la pente va être beaucoup plus. Moins forte. Sinon, il n'y a pas moyen d'accéder. Ah, erreur. Deux fois l'erreur. Hop, allez, hop. Pop. C'est pas évident de viser quand on veut aller vite. En général, quand on fait les choses vite, on les fait souvent pas très bien. Donc là, ça va commencer à puis à beau y avoir beaucoup moins de trous. La génération du cercle World Edit, elle est pas mal. Heureusement qu'on a ça, puisque le faire à la main, enfin recalculer tous les cercles à la main, ça aurait pas forcément été facile. Ah là, sur celui-là, j'ai du boulot. Hop. Toc, 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 toc. Toc. Alors, je vérifie un peu les paramètres. Tout a l'air bon. C'est impeccable. On peut donc continuer. Non, ça c'est pas bon. Hop. Oula. Là, je crois que j'ai fait tout le tour. Donc, il y en a encore ici, là. Donc, un ici, un là. De l'autre côté. À chaque fois, faut le faire trois fois, quatre fois, quoi. Ce qui aurait été bien, c'est qu'il nous génère des cercles à chaque fois qu'on les décale sans trou. Mais je pense que ça serait beaucoup moins évident au niveau de la commande à gérer. Hop. On
a fait tout ce tour là, on va le faire le tour du dessus. On va faire les deux en même temps. Hop, hop. On est des furieux, nous. On a peur de rien. Il connaît pas Raoul. Oula, c'est pas bon ça. Voilà, qui est beaucoup meilleur. Hop. Eh bien, on est en train de poser les derniers blocs de notre bol à céréales. Je pense que c'est bon. Ouais, joli. Ce qui est marrant, c'est le dégradé de gris, il est sympatoche. Ce qui est marrant, ouais, ça... C'est... Je vais enlever ce bazar-là, parce que du coup, ça fait une tache blanche pouf, qui explose les yeux. Au niveau lumière, on va avoir de la chauve-souris là-dessous. Il faut mettre les céréales. On se prend un stack de... À recommencer. Et le bloc de paille. Allez, on peut avoir... On a des seaux de lait, mais on peut pas avoir un liquide blanc. Ouais, j'ai pas goûté, j'ai démarré à 16h pile parce que faut que je... faut pas que je coupe trop tard, hein. Donc je pense qu'à partir de 6h30, on commencera la clôture, on se dira au revoir et à 7h moins le quart, grand maxi, poup, on coupe. Donc c'est pour ça qu'il faut pas aussi traîner. Alors je vais dessiner le bout de bâtiment qu'il y a ici, pour pouvoir faire en fait l'entrée et la sortie... dans ce fameux amphithéâtre. Alors, les murs, ils sont comment? À partir d'ici, j'ai un petit mur. Toc, de 4. Ici, j'ai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et donc là, je vais avoir une percée. Parce que là j'avais 4, 5, ben après j'ai 6, donc là, hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, et puis après je pars sur du 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, et donc là je serai... L'entrée principale de l'école est ici, sur le bord de l'eau. Elle me gêne, ces petites plantes là. Hop. Ah zut, en survie. je pourrais taper la commande pour les enlever, mais je la connais pas par cœur. Là, de toute façon, il n'y a pas d'herbe, c'est un quai à péniche, à pénichette, pour les touristes. Ah zut, j'avais mis du béton. Ah zut, le boulet. Ah, le béton gris en déco, c'est horrible. Aïe, 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 aïe. Alors, de l'autre côté,
On a un mur de... On va avoir un mur de séparation. Le grand amphi, il est au... Il est au nord. Ah, j'ai un grand truc. Faut que je mesure combien j'ai de blocs. J'ai 8 blocs par ici. Et 6 blocs de l'autre côté. Donc 8 blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et de l'autre côté, j'ai 10, 6. Donc là, je suis au truc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Après, je redécale. Allez, hop. Parce que rien n'est droit là-dedans, hein, bien sûr. 1, 2, 3. Après, j'ai 2. Après, j'ai 2 encore ici. Et après, je vais avoir du vitré. Avec vue ici sur la petite cour intérieure. Alors, c'est plus lumineux dans la réalité, mais alors Minecraft, les ombres, pof, il fait pas dans la dentelle. Hein. Je suis en train de. J'essaye de retrouver mon plan. Donc pour faire le plan, j'ai utilisé comme ce que j'utilise très souvent. Salut Lynn. Bah ça allait mieux, le petit rhume. Et puis j'ai l'impression que je suis en train de chauffer. Et ça m'embête un peu, mais bon. Ça va bien finir par passer cette affaire. Hein. Donc ici, j'ai à nouveau un petit bloc. Bon là, je suis sur du 2. 2, 2, 2, 2. Et d'ailleurs, j'ai dû me tromper. Ouais, je me suis trompé. À la sortie du truc, j'avais un 3, 2. Et en fait, j'avais un 3 ici. Tout vient par ici. Alors, on va pas casser. On sélectionne tout. On fait un move 1 et hop, on a retrouvé nos petits. Oula, excusez-moi, j'ai voulu faire un mouvement de souris pour aller voir mon plan. Donc toc toc toc. Donc ici, on continue sur de pack-pack. Ici. C'est tout du... À chaque fois, c'est que du 2 en fait. 2, 2, 2. Donc y a pas... Je sais pas pourquoi je me pose des questions. C'est tout simple. Et ici, on va arriver bah, dans le bâtiment, qui est donc ici. Alors, par contre, le dessous, j'ai mis mes verres un peu vite parce qu'on va pas laisser la roche. Qu'est-ce que je pourrais mettre sous le verre? De l'andésite. L'andésite poli? Ou de l'andésite tout court? Qu'est-ce que ça fait dans les îles tout court? Ça fait un peu bizarre. Voilà, ça me fait un peu bizarre. Qu'est-ce que ça fait si on met du béton, le béton blanc? Ça va faire ressortir les vitres. Ouais, je trouve que ça fait pas mal. On va mettre du béton blanc. Salut Flobo. Ah, c'est du quartz que j'avais mis là. Tu t'es fait repérer le quartz. Ah ouais, là il faut que je... Donc je mets du béton blanc.
Alors après pour le dallage, oh, c'est un truc. Il y a un site qui est pas mal fait où il y a plein de photos, c'est Eclablog. Tenu par une dame qui fait des photos de monuments d'Amiens. Donc dès qu'il y a des visites, des portes ouvertes, et qu'elle a l'autorisation bien entendu de prendre des photos, elle en fait, ce qui permet de voir des intérieurs. Ouais, c'est. Je regarde un petit peu les sols, comment ils sont faits sur ces photos. Et à chaque fois, c'est du truc industriel là. Salut Skyra, coucou, c'est repos aujourd'hui pour Mats. Faut que je fasse un petit peu d'Amiens. Donc c'est à dominance noire, mais le noir je pense que ça va faire un petit peu triste. On va prendre le béton gris clair. Sauf que c'est pas ça que j'ai mis là. Voilà, c'est un petit peu plus foncé que ça dans la réalité, mais bon, après on va gérer des éclairages. Hein. Ça va un peu sauter ça. Hein. Vous inquiétez pas. Je vais faire le bâtiment de l'autre côté, l'entrée du bâtiment de l'autre côté. Parce qu'en fait, au niveau de la structure, donc on a le gros bol de céréales ici. Et en charpente principale du bâtiment, alors charpente, en composante principale du bâtiment, on a un gros bâtiment ici en forme de S qui va ici et qui se termine ici. Et là, c'est des bâtiments, ce qu'on voit là, là il y a la bibliothèque, là la cantine, qui sont avec des grandes baies vitrées sur le bord de la Somme. Ils doivent être quand même pas mal installés. Derrière, à l'arrière, c'est trois blocs, c'est assez tarabiscoté aussi. Mais donc ici, on va avoir le bâtiment qui va passer comme ça, avec une forme bien arrondie. Ça va être bien. Et ici par contre c'est une petite avancée qui fait juste un étage. Là le bâtiment il y a, si j'ai bien repéré, il y a 4 étages. Et ici c'est juste un bâtiment avec un étage qui permet de faire l'entrée de l'école et puis l'accès à l'amphithéâtre. Voilà. Petit descriptif des lieux. Sauf que c'était pas ça que je voulais mettre ici, c'était du blanc. Hop. Et du gris clair. Bon, alors il y a une technique pour remplir beaucoup plus rapide, hein, bien sûr, quand on a World Edit. C'est un replace 0 par. Et je sais pas le nom du gris clair. 251.7. Non. Fait un deuxième essai, 251.8. Ouais. Hop. On va se faire un peu le carrelage ici. Pour les Chinois, ils ont leur congé annuel. Yongle a inventé les congés annuels. Donc on va s'attaquer maintenant
à l'entrée. Alors l'entrée, elle a un auvent, c'est pour ça qu'elle est un petit peu compliquée. Là, on a la sortie de l'amphithéâtre. Ici, j'ai 3. Ici, j'ai 3. Et ici, j'ai 3. Mais... ici, j'ai un petit rebord. Donc là, j'ai 3 avec une vitre. Là, on va avoir l'entrée. J'ai oublié. Tu as des coupures. J'ai eu quelques images perdues. Ah ouais, j'ai eu un petit pic. J'ai eu un petit pic de coupure de la co. Et c'est revenu. Bon, vous avez juste loupé la première porte. Que ça va tenir, sinon je baisserai un petit peu le débit. Je l'avais remonté parce que ces temps-ci je me suis aperçu que j'avais un peu une meilleure coque d'habitude, plusieurs jours consécutifs. Je me suis dit oh là là, il y a du mieux. Donc là on a une entrée, donc là on va même faire une petite séparation. Et après derrière ici c'est fermé, c'est de la baie vitrée. Hop. Ouais. Je vais... alors j'aurais pu faire au sol et puis faire un stack up. Et une fois qu'on a fait ça ici, on va repartir ouais, sur le bâtiment. Ici a priori c'est la bibliothèque. Un bâtiment assez tarabiscoté. Alors comme d'hab, si vous voulez voir le bâtiment que je suis en train de faire, hein, vous pouvez aller voir faire un petit tour sur Google Maps. En plus la vue 3D elle est pas mal, il y a des patelins où ça le fait pas, mais sur Amiens, si vous basculez en 3D, en vue satellite et en vue 3D, on a une vision assez pas mal des bâtiments. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça. Donc après, bah là on va repartir sur des baies vitrées. Alors comme ils n'ont pas voulu faire dans le simple, les baies vitrées elles sont de traviole, hein, bien sûr. Moi je crois qu'ils ont pensé aux gars qui jouaient à Minecraft quand ils ont fait leur bâtiment. Alors est-ce que je peux vous mettre une photo? J'aurais dû le prévoir. J'essaie d'en trouver une sur Wikimedia, mais personne n'a mis de photo. L'avantage de Wikimedia, c'est que c'est libre de droit, donc on peut les réutiliser.
Sinon, d'autres photos, c'est pas forcément évident. Puis moi, personnellement, j'en ai pas, alors... Non, j'en trouve pas. Dommage. Donc, n'hésitez pas éventuellement à aller voir. Allez voir ça. Alors, Skyra, c'est pas la fac, hein. C'est une école d'ingénieurs. La fac d'Amiens, elle est plus au centre. Elle est dans le quartier, une partie dans le quartier Saint-Leu et une partie dans la rue, donc dans la rue Vandemark, qui était proposée. Et là, c'est pas mal carré. Il y a des bâtiments plus carrés, c'est de la brique, hein, puisque la brique, c'est quand même la signature un petit peu la signature d'Amiens. On voit qu'on suit à peu près, on suit à peu près notre cheminement, hein. Donc on va revenir sur la coupole. On va revenir sur la coupole pour la couper correctement. Parce qu'ici, notre bâtiment d'entrée, bah, il fait 4 de haut. Donc ça veut dire que... Ici, on va pouvoir faire la coupure. Donc là, ici, j'ai la toiture. Alors, on la fait en blanc, hein, tout est blanc. Je crois que tout est blanc, je vais quand même vérifier. J'utilise... Ah non, elle est grise. Ah zut, la toiture est grise. Oh. Ah par contre, j'ai peur si j'utilise du gris foncé qu'au niveau toiture, ça fasse... Après, je peux faire de l'éclairage, hein. Comme on va privilégier l'extérieur, le béton gris, il est vraiment... Même si je mets une lumière... Où elle est la lumière? J'ai perdu ma lumière. Ah, si je mets de lumière comme ça dans ce style-là... Ah! Ouais non, ça fait noir quand même. Mais ça m'embête de réutiliser celle du sol. Quoique pour le sol, il faudrait quasiment que j'utilise ça. Et à ce moment-là que j'utilise... Oh non, c'est pas assez... Donc là, je mettrai une carpette hein, pour planquer le truc. Mais c'est un toit en terrasse, donc les toits en terrasse, c'est souvent très noir. Hein. Ah, ok, G, bah... Ouais, je connais ça. Donc, à tout à l'heure, j'espère que ça va aller mieux. Alors, Skyra nous dit... Amiens amphi rond, Lille amphi rectangulaire, Reims amphi coquillage. Je me souviens plus du tout comment ils sont les amphis de Reims au sud, pourtant j'y ai été. Mais je t'avouerai que... Ce qui serait bien c'est de pouvoir mettre coller des carpettes en toiture. Ça serait top. Ici on monte comme ça et ça on peut le couper du coup. On n'hésite pas, on peut le couper. Et de l'autre on fait la jonction du toit. Ouais bah la jonction du toit elle est faite ici en fait. Hop. Donc là on va voir pareil. On monte jusqu'à ce qu'on puisse plus monter. Donc à 4. Les vitres, c'est du 3. Hop. Hop. Après, comme d'hab, la rediff sera sur Twitch quelques jours et sur YouTube. Sachant que les vidéos d'Amiens elles sont quand même plus calmes. Hein. Je
sais pas pourquoi, hein. Les vidéos de maths, elles sont plus en mode... Des fois, franchement, des jantages. Je sais pas pourquoi. Alors, on va mettre... Alors, logiquement, je devrais en mettre une ici. Ah, je vais quand même mettre les carpettes... carpettes grises, hein. Du coup, ça va pas spawner sur les toits. Donc ça, on le casse, puisque c'est l'entrée, ça va être l'entrée dans les amphithéâtres. On va mettre un beau sol. Ah bah c'était 251.8. Salut Michel, bienvenue à toi. On a attaqué le bol de céréales géant d'Amiens. En fait, il est plus communément appelé la soucoupe volante. Soucoupe spatiale, l'OVNI. C'est vrai que là, il fait un peu mixeur avec mon système. Ce qui est un petit peu dommage, il faudra peut-être que je le retouche à la main, c'est que comme j'ai généré les cylindres avec World Edit, ici ça fait droit et du coup ça serait mieux si c'était un petit peu plus pointu. Vous voyez ce que je veux dire? Il faudra que je voie avec l'aménagement intérieur parce que je pense que j'ai une certaine latence. C'est-à-dire que en fait il faudrait le faire ici. Donc du coup ça veut dire reboucher ici et le refaire jusqu'en bas quoi. Mais on fera ça pour l'instant. On va déjà essayer d'aménager un petit peu l'intérieur. Oui, petite. T'as raison Lina, une petite bande d'habitués. Du coup ça intimide peut-être les nouveaux. N'hésitez pas à... N'hésitez pas à faire un petit coucou ou à poser des questions ou hop dans le chat. La modératrice ne mord pas. Bon, elle est vaccinée de toute façon. Alors, on va faire le plan au sol pour que j'essaye de m'y retrouver un petit peu. Soyons méthodiques, sinon on n'y arrivera pas. J'ai perdu mon béton. J'ai perdu mon béton blanc. Donc ça, ça va être le grand mur. Bon, on va le stacker, lui. Du grand amphi. Stack 1, up. Stack 2, up. Alors, je fais comme ça, je pourrais le faire directement, mais je trouve que ça fait plus joli dans le replay mode. Et comme je vais réutiliser le... Comme je vais réutiliser les images dans le replay mode. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Il faut que je monte à 8 au moins. Je suis à combien là? Stack 5. Stack 6. Stack 7. Hop! Parce qu'en fait, il y a une deuxième source de lumière. Ici. Non, c'est pas ça que je devais prendre. Je vais me mettre pile au milieu.
Donc il y a un petit décalage. Là en dessous il va y avoir la scène. Alors ça fait... Je fais ça au pif hein, parce que j'ai aucun plan. 1, 2, 3, 4, voilà. Et ici, il y a re des fenêtres. Donc en fait, la lumière du soleil, hein, quand il y a du soleil à Amiens, lumière du sud, elle arrive ici, elle passe à travers le truc qui est complètement rempli, je peux même le remplir hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de souci. Ah, ce qui aurait été bien ici, c'est d'avoir un verre qui ne soit pas... Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Qui fasse les traits. Après, est-ce que je rajoute les trappes? Mais les trappes, elles sont trop grossières, les... Donc le soleil passe par rapport à travers ces vitres-là, il passe ensuite ici et il peut éclairer l'amphithéâtre. Oh, formidable! Ils sont-ils pas bien les petits étudiants? Comme ça, ils peuvent voir la lumière du soleil et ronronner doucement. Antonin, je lui rajoute une poignée, ça fera un presse-purée. Ouais. Alors ouais, c'est l'amphithéâtre, les amphithéâtres, hein, parce qu'ils ont réussi à en caser 3. L'école d'ingénieurs d'Amiens. Salut Valou. Bienvenue à toi. Donc, on va continuer notre mur ici, là. Hop. Parce que c'est pas tout ça, hein. Ça serait bien de l'avoir fini. Ouais. Donc là, on va avoir un mur qui fait 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ensuite, on a 2. Après, on part. J'étais parti sur 3. Puis après on finit avec du 2 jusqu'en haut. Jusqu'en haut de l'amphi. Non, ici ouais. Il faut d'abord que je finisse de l'autre côté. Donc 3, 2, petit peu de calme, ouais. Tout à fait. C'est les plaisanteries sur... J'ai habité très longtemps à Amiens. Tu dois le savoir que les plaisanteries sur le climat d'Amiens sont monnaie courante et il faut les accepter parce que... Amiens c'est pas très très loin de la mer et du coup bah, qui dit mer dit souvent des nuages, souvent de la pluie. Après il y a des avantages, hein. Pas beaucoup de sécheresse. Quoique j'ai déjà vu des années où... Les pelouses grillées. Après, je pars sur du 2. Hein. Jusqu'à cette fameuse. Ce qu'on avait vu tout à l'heure, le petit chemin de ronde qu'il y a tout autour. Alors, ici, ce bazar-là, il va être rond. Tout le système de verre qu'il y a autour, là, il est rond aussi. Donc là. On va faire du 5. Ouais, c'est comme les plaisanteries sur le climat breton. En fait, je pense que chaque région a... Parce que sur le sud, ils en ont aussi, mais ça va être sur le coup de... Il fait très chaud et... Ah.
Alors, Skyra dit, quant à la lumière du soleil sur l'ordinateur, alors j'ai vu des photos, en fait, il y a des rideaux, ils peuvent tirer des rideaux de partout. Toutes ces fenêtres-là peuvent être occultées, c'est-à-dire que s'il y a trop de soleil en plein le truc, ils l'enlèvent, ils ferment tous les rideaux et on se retrouve dans un amphi classique. Pour étudier tranquillou. Voilà. Donc là, on arrive ici. Donc là, en fait, l'avancée, elle va jusqu'au bord du verre. Donc moi, je dis, les archis, ils se sont lâchés, hein. C'est vrai qu'un amphi carré à la classique, à la Sorbonne. Donc là, le verre monte jusque. Jusque comme ça. Et donc, je pense que ici, on a la fermeture. Voilà, de l'amphi. Bien le voir. On le voit bien parce que surtout là, il y a un gros axe routier. On le voit, il y a le rond-point qui est là, un très gros rond-point. Pour aller vers le sud, là pour aller vers l'ouest. Et là, ça permet d'aller à la place Vogel, qui est une très grosse place d'Amiens pour tous ceux qui veulent aller dans le centre. Donc il y a énormément de voitures et ce bâtiment, il a une visibilité, ouais, pas mal. Alors, quand il a été construit, hein, même déjà dans les années 94 jusqu'à 94 à 2000, jusqu'à ce qu'on s'habitue, quoi. On s'est assez vite habitué à lui. Mais on en parlait toujours comme de la soucoupe, comme de. C'était assez nouveau sur Amiens, ce genre de bâtiment, ce genre d'architecture. Il faut faire comme ça. Voilà. En plus, si on peut accéder, ça permet de. Si t'es là, tu peux surveiller les étudiants. Je pense pas qu'on puisse. Enfin, j'en sais rien. Je pense pas qu'on puisse y accéder, mais. Alors, on va mettre une estrade. Ce qui est logique, hein. Faut que le professeur il soit sur une estrade. Sinon ça peut pas aller. Alors où elle est? Alors c'est pas en bois, hein, y a rien en bois, tout est en assez moderne, donc en matériaux un peu synthétiques. On va repartir dans le gris. Quoique le gris on va le mettre au sol. Qu'est-ce que je vais utiliser? C'est vrai que quand on regarde les photos au niveau couleur, c'est un petit peu. Un petit peu terne, quoi. Au sol, je vais utiliser le gris. Donc il faudra pas utiliser. Surtout pas utiliser d'eau. Je vais utiliser le gris en poudre. Et pour l'estrade, on va repartir sur le gris clair. Alors, notre estrade. Elle fait 1, 2, 3. En fait, elle va faire la même. C'est la décalque de ce truc-là. Ah non, lui il faisait 4. Ah non, pas tout à fait la décalque alors. Hein. Désolé.
L'estrade est plus petite. Voilà. Et puis, ça serait bien de lui faire un petit escalier. Alors, on va faire un escalier de quelle couleur? Un escalier comme ça, on est obligé là. Et là, on va leur mettre un. Ils doivent bien avoir un pupitre. On va faire ça en noir, en bois de chêne noir. Ça va. Il n'y arriverait pas. Et puis. Donc la dalle qui va avec. Voilà. Donc le sol, on a dit en. Ah ouais, bah, du coup, va falloir lui mettre des portes aussi. Hein. Alors en fait, faut pas que j'aille trop loin parce que. Ah, ça fait pas mal comme sol, style lino. Lino un peu moderne. Ça fait pas mal du tout. Alors, ouais, faut pas que j'aille trop loin parce que. Donc ici on va avoir un premier rang comme ça. Ici un deuxième rang. En fait, ce qui est bien. Et merci Epic Game. Epic Game pour ton suivi et bienvenue sur le chat. Ah oui, comme je l'ai resserré ici, je vais être coincé pour placer mes pupitres. Hein, puisque là, je sais pas de quelle couleur, il faudrait prendre des escaliers. Ils sont bleus les. Alors je sais pas si on appelle ça des pupitres. Leur demande si on peut pas le visiter pendant la journée du patrimoine. Oui, si ça a été fait, je crois. J'ai vu dans mes recherches sur internet, j'ai vu qu'il y en avait qui l'avaient fait. D'ailleurs, c'est peut-être à cette occasion-là que sur le blog que je citais, il y a eu les photos qui ont été prises. Sinon, il y a aussi il y a régulièrement des journées portes ouvertes. Hein. Alors. Je pourrais presque prendre ça parce que c'est bleu, mais. En escalier, on a vraiment pas grand chose. Hein. Vivement la 1.13 avec au moins les blocs de prismarine. Oh, je pourrais prendre les blocs de purpure, ça va. Alors, par contre, il faut que je les mette à l'envers. Hein. Oh non, ça fait trop moche. bon ben on va rester sur du bois. Je pense que c'est encore le moins pire. Hein. Ah puis je mettrai des dessous bleus, des carpettes bleues, donc pas des dessous, des tapis bleus pour signaler le. Visiblement ils sont bleus, donc j'ai une photo où c'est bleu. Donc je voulais faire un truc comme ça. Donc vous voyez, je vais en venir ici. On en met un autre. Ce qu'il y a, c'est que comme j'ai. Pourquoi ça coince alors qu'avant c'était pas censé coincer. J'avais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'avais réussi à en caser 7. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, visiblement, j'arrive à en caser 6. Et après je suis dans les hauteurs du truc. Me serais-je trompé dans mes calculs? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
7 à partir des vitres. Les vitres, elles vont être où? Ah, je les avais mis là-bas. Les vitres, elles sont à un cran. Ah oui oui c'est ça, c'est au départ j'avais fait beaucoup plus en forme de bol et là je l'ai passé à 45 degrés donc du coup j'ai plus la place bon tant pis on va tricher hein, pour enfin on va tricher, on triche pas vraiment mais on va s'arranger. Là j'ai deux rangées, ici c'est un passage. Pouvoir en mettre des étudiants quand même là-dedans. Ne vous inquiétez pas. Hein. Ouais, merci White. En fait, le plus dur, parce que ça, je le sens encore, il me fait pas peur. Le plus dur, ça va être, si on veut être réaliste, j'irai peut-être pas jusqu'au bout, c'est les trois blocs derrière, et la communication qu'il y a entre le bâtiment S et les trois blocs. Il y a des espèces de rampes, mais je pense pas que j'irai aussi loin dans le détail, je ferai pas ce... Je modéliserai pas les passages peut-être entre les bâtiments. Mais rien qu'en regardant de l'extérieur, par les vues satellites, déjà on voit que c'est du... c'est chaud, chaud, chaud. Mais bon, le clou du spectacle, c'est quand même cet amphi en forme de bol de céréales ou de soucoupe volante. Hein. C'est la, à Amiens, on appelle ça la soucoupe volante. Hein. Donc normalement, on devrait encore avoir une rangée ici. Mais je peux pas. Là, on est dans le vide. On est dans le vide, madame. Et si je mets le pupitre ici, ouais, si, ça le fait. Faut juste que je le mette dans le bon sens. Un truc comme ça, voilà. Bon, on voit plus trop le prof, hein. Monsieur le prof. Alors que d'ici, ouais, si. On voit pas le bureau, mais on voit le prof. Alors que là, hop. Bon ben, on va se faire tous les gradins, hein. Allez hop. Donc ici on tournicote autour. Hop hop hop. Ouais je les ai pas... Bon, je regardais si... On dirait Tetris. Ah oui tu les vois les rampes d'accès. C'est une horreur, hein. Ah, mais là, les archis, ils ont dû... Ils ont dû prendre leur pied, quoi. Ouais, on va faire un super bâtiment. Allez, dans un truc dans un sens, un truc dans un autre. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais réaliser... ce que j'ai fait ici, je vais le faire ici. Et puis, ça me donnera le... Ça me donnera l'idée générale en fait. Hein. Ici. J'ai mon bloc de verre qui vient là. Du moins, il me semble. Alors, ce qu'il y a, c'est que si je veux faire la circulation. Si je veux refaire la circulation comme. Comme il y a dans le vrai bâtiment, il faut que je mette mes blocs de verre ici. Hein. Sinon je passerai pas. Vous voyez le petit problème. Le petit problème de conception. Du coup, on va manger encore un peu plus. Là on tombe un peu bah, dans les trucs classiques de Minecraft. Hein. On va l'essayer comme ça, on verra bien. Sinon on recasse. Hein. C'est pas grave. C'est pas grave.
que là j'ai un rang, deux rangs. Hop, hop. Ouais, ça va le faire, même largement ici. Par contre, on va avoir du mélange de blanc et de... Salut Oukari. Donc c'est pas empereur ce soir, c'est maire. Moi je suis le maire d'Amiens. Et si j'utilise simplement des vitres, ben non, parce que la vitre elle prend le bloc quoi. Ah ouais, carrément, j'ai jeté le... Moi je suis un furieux moi. Plus que ça fait pas très beau. Et tu vois ici on n'arrivera pas à passer, on est coincé. Parce que le passage est trop court. Donc du coup on est obligé de le mettre là. Et en fait on s'aperçoit que c'est comme si on avait mis un bloc. Ouais, donc là on n'a rien mis. C'est comme si on avait mis le bloc là, bloc là, bloc là quoi. En plus on coince. On prend plus de place avec les vitres. Avec les blocs. Hop, hop. Ouais, dommage. Oui, parce que en plus ça aurait fait un petit peu plus réaliste, mais oh, un bloc, à moi. Donc normalement je suis censé avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 échelons. Et là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Formidable. Arriver à pas le faire ici. Ouais, non. Ça va être chaud quand même à loger tous nos pupitres. Carrie, on fait un... Alors c'est selon, c'est une soucoupe volante, c'est un bol de céréales, un mixeur à pommes de terre, ou c'est les amphithéâtres d'une école d'ingénieurs. Celle d'Amiens, le S-I-E-E. Alors il faudrait que je... Il y a des rangées bien sûr hein. Oh non, j'ai cassé mon... Ah, c'est pas le bon.
Tac, voilà. J'allais dire pourquoi c'est pas parallèle, ouais, c'est parce que j'ai pas mis. Donc là je vais avoir un pupitre ici et là. Deux. Ah, ça elle est pas tout à fait droite. Hein. Avec Arcosian, c'est une école de coiffure spécialisée dans la coupe au bol. Elle est pas mal. Ah, ce qui était assez étonnant pour un bâtiment moderne, c'est qu'il a pas trop mal vieilli. Quand on regarde des photos maintenant ou... Hop. Ah. On va se finir le sol. J'aime bien le sol en béton. Donc là, je pense que quelque part, on va avoir une porte. Quelque chose me dit que ça pourrait être probable. Ici, on va avoir une rampe qui va permettre d'accéder aux parties supérieures. Donc là, il faudrait qu'on ait un système comme ça, hein, bien sûr. Hop, hop, hop. Est-ce qu'on pourrait avoir une porte ici? Ouais. Et il y a une rampe ici qui permet de monter et d'accéder aux parties supérieures de l'amphi et qui correspond en plus au truc de circulation. Oh, formidable! Et j'aurais voulu le faire exprès. Je vais postuler dans leur machin d'ingénieur d'architecte. Donc là, on va se garder. Non, on se garde le blanc. Éventuellement, on pourra mettre des carpettes. On pourra mettre des carpettes. Hop, allez, on se continue les pupitres. Hop, ah, il va falloir faire du... Ah ben on va utiliser les bannières pour les tableaux. Des bannières vertes. Il faudrait un vert vert tableau. Oh, comme les boîtes de Shulker vertes. Eh ben, moi je trouve que ce vert là. Zut. Oh non. Malheur. Ce qui est dommage, c'est que ça soit pas d'un seul cran, quoi. Donc ils ont plusieurs rangées, c'est les tableaux qui se descendent, qui s'abaissent. Et ils ont des... je crois qu'ils ont des écrans de télé. Ils ont des écrans de télé sur les côtés. Ouais, le problème, c'est que là, c'est que j'ai dû un bloc, donc je suis obligé de faire un... Ça tourne trop, Michel. Oh, je vais faire plus doucement. Ah, c'est une soucoupe volante, hein. Les soucoupes volantes, ça tourne. Alors là, ici, on fait comme ça. Que ici aussi, non? Ouais. Donc là, on va avoir le même système de petites dalles. Ah, j'ai oublié les petites dalles. Ah, on pourrait mettre des petites dalles en quartz. Ah ouais, ça le fait pas mal. Elles sont plus jolies que... Ah ouais. Ça... Moi, je dis ça pétouille, les petites dalles en quartz. Et voilà.
Tac 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 tac. Ah bah re-edgy. Et si tu fais en béton vert le tableau, ouais, le problème c'est qu'il va avoir une épaisseur de 1. Alors c'est vrai que... parce que ça fait... Là ça fait moche. Alors, béton vert. Et non pas bégon vert. Au placement de produit. Oh. Oh non. Si on va trop vite et qu'on vise mal, on défonce le mur. Ouais, parce que le problème, si je le mets ici, c'est que de l'autre côté, on va le voir. Hein, puisque là, on est dans le couloir qui permet de desservir tous les amphis. Donc je vais le mettre ici. Et en bas, on va mettre... voilà. Oups, pardon. Après tout, le prof, il a pas besoin d'être à... Il se retourne, il gribouille sur son tableau, puis c'est bon. Enfin, il gribouille pas, vous voyez ce que je veux dire. Ouais, ça le fait. Ouais, ça le fait. En plus, on peut presque mettre... avec des barrières en bois de bouleau. C'est le système de glissière là. Vous avez vu tous ces tableaux là qui permettent de monter, de descendre, c'est super rigolo. Ouais, ça va donner dans le couloir, c'est ça. On va aller faire un tour. Mais ça le fait là, c'est suffisant, il n'y a pas besoin de plus. Ouais, on est dans ce couloir là. Couloir d'accès à la... Au cruic-cruic là. Au poteau de... Le poteau qui est donc légèrement conique, comme ça, hop, hop, et qui soutient, bah, qui soutient toute la structure. Là, c'est pas que du verre, il y a des armatures en métal qui maintiennent tout le truc. Bon, puis il y a tout ce tour ici qui vient retenir le machin. On n'est pas dans le même système que la rotonde, hein, avec une toiture complètement portée là. Hein. Elle n'est pas portée sur les extérieurs. On a un cône central et puis du béton ici sur le côté. Donc ça roule. Allez, on va se continuer parce que il faut qu'on avance un petit peu. Hein. Sinon, le chef de chantier il va venir. Oh, ça avance pas. Hop, hop. Et puis du tapis bleu parce que le bleu c'est joli. Oui, là, il faut que je le fasse. Ouais, j'aurais pas dû l'enlever le truc. Ouais, je le fasse dans ce sens-là. Ouais, je vais pas faire. Je fais pas comme dans la réalité. Hein. Là, faut que rien que je mette, sinon le gars il arrivera pas à monter. Donc on va arrêter ici. Hop. J'en ai laissé un là. Hop. Donc là, ça c'est le rang. Le rang de circulation, donc on met rien. Hop. Einzweidrei. Alors ici on peut compter en allemand puisque on n'est pas en Chine. Einzweidrei. Hop. Après c'est 2-1. Ah bah c'est pile poil ça. Donc là on Orkmash. Ils ont peut-être des cours en picard. Hein. Ici, ben, on a le même système en fait. Hein. On va y aller doucettement. Non, pas comme ça. Là par contre du coup on va faire un
un couloir de circulation pour monter là, et ici on va dédoubler. Et on va aller bah pareil jusque là, juste là en fait. Hein. Hop, hop. Hop. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que je vais regarder tout de suite pour les moquettes. Je pense que de la grise. Ça va le faire. Alors, j'ai plus de musique. En fait, il y avait de la musique, mais il y a un long blanc. Il y a un long, long, long blanc. Allez, on continue. On faiblit pas, c'est pas le plus palpitant. Je vais peut-être ce que je vais faire. C'est faire un côté seulement. Et puis par symétrie, je fais le reste. Hein. C'est pas non plus. Tac. Là, on se met comme ça. Je pense que c'est honnête de faire comme ça. Hop, 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 hop. Et puis là on mettra des petites dalles. Je préfère mettre du blanc. Ça permet de voir où est-ce que j'ai rajouté mes trucs. Non, j'ai pas fait de bêtises. Ouais. Pouf, je me suis fait peur. Hop. Ah, du coup, là. Ouais, mais là-haut, ça serait bien qu'il y en ait. Qu'on ait deux. Donc, on va le laisser comme ça. Ici, on se met là. Jack. C'est possible d'employer MC Edit. Dans un tel cas, alors MC Edit, MC Edit ou World Edit. J'aurais tendance à dire oui. Il faut sélectionner donc d'ici à ici. Parce que notre coupole est exactement pareille. Il faut faire attention aux murs. Les murs sont pas pareils, ces murs-là et ces murs-là. Mais si on prend une sélection sans prendre les murs, donc on prend un quart de cercle, on fait un split, et puis on refait le paste. On le fera peut-être tout à l'heure, si tu veux la démo. C'est pas forcément évident, mais après des petits essais, on arrive à trouver dans quel sens faut le faire et tout ça. Alors ici on avait dit qu'on se faisait un petit passage, du coup ça va permettre de cacher ça. Il est malin le Z, hein. Oh, 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 il est diabolique. Hop. Donc là on va faire celui-là dans ce sens-là, et ceux-là on va les faire dans ce sens-là. Et là on peut même s'en faire un autre ici, voilà. Oula, on multiplie le. On va pouvoir multiplier les inscriptions l'année prochaine. Hein. Bon. Hop. Thank you.
Ah zut, hop. Alors ici, donc ici on continue. Alors normalement, sais bien que ça devrait aller de travers en fait, hein. Donc en fait, notre montée devrait être ici. On peut le faire, hein. C'est pas forcément. Juste que de toute façon, ici on arrive dans les blocs blancs. Donc on n'a plus. Ah oui. Ouais, on avait ce problème ici, c'est qu'on peut plus passer dans les lignes. Alors que là, on arrivait à passer dans les lignes. Et ouais, mais comme on est coincé ici, bah tant pis, hein. Ah ouais, là aussi, on peut plus passer. Bon, c'est de la déco, hein. Puis ça les apprendra. Il faudra qu'ils s'installent au premier rang. Voilà, c'est tout. Oui, la couleur blabla bleu, dédicace à Dame Dodo et à ces malheureux volatiles qui n'en font qu'à leur tête. Donc là, celui-là, on va l'orienter dans ce sens-là, hein, pour qu'il regarde. Et celui-là. Sauf qu'ici, j'avais mis une dalle pour monter à balier. Impeccable. Tac, 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 tac. Et puis là, on peut s'en mettre un là. Donc on n'a plus qu'un rang à faire. Alors là, c'est un rang. Ouais, ouais. Dans la musique, il y a des sifflets de. Alors, c'est pas des sifflets de perroquet, mais c'est il y a des sifflets d'oiseaux. Hop. Donc là, on va s'en mettre un comme ça. Non, on va faire comme ça. Ça blablate pas mal. Très bien vu. L'amphi sera nommé Amphi Blabla Bleu 2.0. Et salut Polo, bienvenue à toi. Où est-ce que je mets le prochain? Ah, ok. Antonin me dit que je peux télécharger les photos. Alors, ce qu'il y a, c'est je peux les télécharger, oui, mais est-ce que je peux les diffuser? C'est-à-dire sous quelle licence elles sont? Si elles sont pas sous une licence Common Creative ou un truc comme ça. Donc, je regarderai. Hein. Je regarderai si elle a mis une licence à ses photos. En fait, la loi est assez claire. Hein. Si t'as pas clairement une licence qui te donne l'autorisation de diffuser une photo, si t'as pas l'autorisation, faut pas le faire, quoi. Alors là. Ah! Je voulais mettre une dalle. Le problème, c'est que la dalle de quartz, ouais, on va la voir du dessous. C'est quand même pas la même teinte. Bah tant pis, là, ils grimperont. Ils grimperont, voilà. Alors là, je pourrais presque mettre ça parce que ici, il a de la place pour s'asseoir, le gaillard. Donc là,
Ah ouais, d'autant que là, je vais. Si, je vais avoir de la place pour mettre le pupitre. Et puis là, on bascule comme ça. Voilà. Et là, la dalle, c'est bon. Salut Sirtus, bienvenue à toi. Buongiorno. Ouais, balèze en italien, Sir Leto. Ah. Donc là, j'ai plus que les... Je me fais une petite pause. Ah, j'aurais pas dû mettre ça. J'ai plus que ça à faire et on va pouvoir faire le split. Ouais, là, on est proche... On est quand même proche du truc. Ah, là, il voit le prof hein, d'ici là. C'est bon, c'est valide. Donc là, je vais mettre des blocs parce que. Hop. Hop. Donc là, pas besoin de reposer un bloc, on peut utiliser celui-là. Voilà, pas ça que je voulais faire. Mais c'est pas grave, ça va être valide. Alors, je vais en profiter pour mettre donc là je l'écarte puisque j'ai dit que je voulais pouvoir faire le tour tout le tour de l'amphi en haut de la soucoupe. Alors normalement la soucoupe elle doit être un petit peu plus haute. Pas sûr qu'il arrive à lire le tableau. C'est comme ça dans les amphis. Ah là ça va être chaud. Et tant pis pour lui, hein. Tant pis pour lui. On a dit que c'était décoratif, hein. Donc, je prends ma hache. Je suis au milieu. Tac. Je tape là. Alors, je veux pas reprendre. Donc là, il faut que j'aille. Si je veux reprendre tous les bancs, il faudrait que j'aille ici. Mais dans la... il faut que je tape dans la partie basse. Donc je vais casser ça temporairement. Ah, ben ça va être nickel ça. Et je prends mon deuxième point ici. Donc j'ai first position, seconde position. Le souci ça va être de bien se placer pour le copy. Je vais me mettre au milieu. Donc là je suis au milieu. Hop, je me mets là. Donc je fais un slash slash copy. J'ai copié dans le presse-papier. Je vais faire un flip. J'ai dit split hein, tout à l'heure, mais c'est pas split que je voulais faire, c'était un flip. Donc un flip dans la direction est. Flip east. Le clipboard copy as been flipped. Donc maintenant, logiquement, si tout va bien,
Je vais mettre un point de référence ici. On va aller faire à l'extérieur pour vérifier. Si je me mets là, il doit me recopier une moitié. Si je fais un paste. C'est tout bon. Par contre, il m'a pas copié. Il m'a pas copié la partie basse. Hein. Ok, un petit undo. C'est pas grave. La partie basse, on la fera. Donc je me place là. Hop. Et je refais mon paste. Paste. Et comme j'ai tapé avec mon. Avec ma hachette, j'ai tapé trop bas. Ah, j'étais encore, ouais, j'étais pas assez haut, ouais. J'aurais dû faire attention. J'aurais dû casser encore un peu plus de blocs pour être un peu plus haut. Alors, bon, c'était pas comme ça, c'était comme ça. Bah non, c'était pas comme ça. C'était comme ça. Du coup, j'ai un trou là-bas aussi. Ah là faut que je regarde derrière parce que derrière il a dû recopier un truc qui était pas forcément super net. Ok ok. Donc là il va me manquer, on voit qu'il y a des carpettes pas naturelles puisque en fait ce qui manque c'est les établis en dessous. Là faut que je rajoute ceux qui manquent et c'est tout bon. De toute façon ça aurait pas été parce que... Ah non il était dans ce sens là celui-là, ah zut. Il est pas complètement également symétrique ce bâtiment. Ici on va un peu plus loin, on voit... Ici, je vais pas me gêner. Là-bas, j'avais pas la place. Là, je vais en rajouter un de pupitre. Je vais enlever celui-là. Donc là, on grimpe ici. Hop. Ici, on va avoir du. Regarde la symétrie. Ouais, c'est pas mal. En fait, faut juste compléter. Donc ici, on grimpe là. Ici, on grimpe ici. Ici, on peut grimper là. Voilà. Et à chaque fois, dans les petits trous, on va se rajouter un pupitre. Pas plus là parce que là du coup pour lire le tableau profs étudiants. Ah oui là c'est mon couloir de circulation. Allez on met des petites tapis gris sur ces coins là. Voilà derrière. Ça se voit pas. Et hop. Salut petit Jean. Petit Jean, le copain de Robin. Donc là c'est le copain de Ledoux.
ici. Donc ça, c'est dû à la copie, donc au flip, plus au paste, puisqu'on a recopié un petit bout. J'ai bien fait finalement de pas descendre trop bas, parce qu'en fait, si j'étais descendu trop bas, j'aurais récupéré tout ce bout-là, qu'il aurait fallu ensuite bah, supprimer en fait, hein. Ouais, alors là, j'ai quand même un petit souci ici. Je pense. Non, 1, 2, 3. Donc là, c'est 1, 2, 3. Ici, c'est pas comme ça. Donc ici, c'est comme ça. Ouais, et là, ça aurait dû être 3, alors. Voilà. Zut. Qui c'est qui a pas mis de rambarde? Et là, c'est pareil, ça devrait être comme ça en fait. Voilà. On a notre base de soucoupe. C'est normal, les blocs blancs apparents à côté des sièges. Alors, j'avais mis des blocs blancs. Non. C'est mes blocs de construction. C'est pour ça que je les avais mis en blanc pour bien les repérer, pour pouvoir les enlever. Et celui-là, il s'est fait copier. Il avait été oublié, donc il s'est fait flipper tout à l'heure. Donc maintenant que c'est fini, on va pouvoir lui faire sa toiture à acheter au bétail. On va pouvoir lui faire sa toiture. Alors, est-ce que je le fais avec le World Edit? Donc merci Lina pour le. C'est comme je ne sais plus son pseudo sur une vidéo d'un live. Il y a un gars, il a repéré qu'il y avait dans la frise bleue. Alors c'est pas, c'est peut-être moi qui l'ai fait, je sais plus, mais parce qu'il dit que c'est Lou qui l'a fait et il a vu qu'il y avait un défaut dans une frise. Alors vu de loin les défauts quand ça passe à toute vitesse, bon, à moins de faire des pauses image sur image. Et en effet, il y avait bien une petite différence dans une frise. Et donc, ouais, c'était chaud. Le problème, si je fais le cylindre, c'est que ça va recouvrir ici. Alors pour le reste du time-lapse, non, mais on fera le toit quand ça sera fini. Le toit, c'est ça en cercle tout autour, hein. Puis après, il faudra rajouter du. Alors je vais faire le dessin des autres amphithéâtres, mais les autres amphithéâtres, je les décorerai pas. Voilà, paf, c'est comme ça. Alors je pense qu'il y a une autre sortie ici. C'est logique. Hop. Et puis peut-être probablement plus haut aussi. Pof. Mais je vais pas. De toute façon, je l'ai dit hein, au départ, je reconstitue pas la réalité absolue. Parce que je veux pas de soucis. Même si c'est des lieux extrêmement publics. Hein, mais bon. Maintenant, à notre époque, faut se méfier de tout. C'est un peu dommage. Donc, je vais dessiner les deux autres amphis. Donc, on en a un déjà qui est là. En fait, là, non, ça doit être un corridor d'entrée, je sais pas. C'est hyper spécial. Donc là, on va avoir un petit amphi ici. En fait, ils ont divisé leur grand cercle en trois. Donc le grand amphi là, un petit amphi dans ce quart-là et un autre petit amphi dans ce quart-là. Salut Ananas 2301. Il y en a encore un plus bas dans l'amphi du bloc blanc. Il t'en reste encore des blocs blancs. Non. Je vais faire un gros replace bloc blanc par zéro. Non, 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 il n'y en a pas. Voilà, il n'y en a pas. Non, non, il n'y en a pas.
Où il est le bloc blanc? J'ai cru en voir un autre, mais en fait, c'est les dalles. C'est les dalles de quartz. Bon, ok. Et là, je crois que c'est bon, hein, il n'y en a plus. On repasse complètement. J'ai plus toute ma tête. Ouais, non, c'est bon. Allez. Alors. Ouais, là j'en ai conclu que c'était décalé parce que sur une photo, on voit ce petit muret là qui monte en truc, en pente, comme ça. Là il doit y avoir des portes. Et donc visiblement l'amphi doit, j'ai l'impression, j'en ai conclu, que l'amphi devait être par ici. Donc je le mets par ici, sous toute réserve, mais comme je l'ai dit, j'ai pas les plans, donc je fais pas du stricto réel, et je les veux pas les plans, hein, de toute façon. C'est déjà pas mal avec ce qu'on trouve comme photo. Là, c'est 3 tout le temps en fait, hein. Hop. Jusqu'à. Ben voilà. Jusqu'à. Ben là, on va pas en mettre, hein. Jusqu'à la vitre qui est ici. Voilà. Toc, toc, toc. Donc ça, on va le monter. Alors là, on va pas s'embêter, hein. On va prendre la petite hachette. D'ici à. Alors est-ce qu'il faut faire attention? Parce que si je sélectionne tout, je vais monter aussi ce genre de bloc. Donc il faut que je sélectionne ça. Stack 1. Hup. Stack 2. Hup. Alors il faut le monter encore. Hein. 3. Hup. Donc je le fais exprès, hein, de faire comme ça. Je pourrais le faire directement. Mais c'est pour faire un petit effet rigolo lors du replay mode, puisque tout ce que je construis là, ça sera dans le replay mode de l'épisode. Oh là là, de l'épisode 30. Ouais, jusque-là. L'épisode 30 du projet Amiens dans Minecraft. Allez, 3. 4, 5, 6. Au pire, il manque une dalle côté gauche de l'estrade pour y monter. Et là, mais là, hop, j'ai la réponse. Je crois que sur une photo, j'ai sur le blog Eclablog. Donc le site c'est annick-amien.eclablog, eklablog.com, et sur son site il y a une photo de l'amphi, pris dans l'amphi, et il y a un escalier qu'à droite. C'est pas formidable ce degré de réalisme? Puis je m'en sors bien du coup comme ça. Mais vous avez raison de chipoter. Enfin là, après pour l'intérieur, on va peut-être plus chipoter sur l'extérieur. Quoique, vu le style de bâtiment, donc là c'est du 4, vu le style de bâtiment et comme il va être tordu. Alors là, du coup, on râle pas parce que c'est traviole, puisque de toute façon, dès le départ, ce pauvre bâtiment il était très mal parti, hein. Le pauvre. Alors je fais ça, mais en fait. Il devrait pas. C'est-à-dire qu'en fait là, le mur devrait monter jusque-là.
Et puis ici, on retombe sur la sur le vitre, le vitrage d'ici. Alors, je sais pas ce qu'il y a ici. Pop, pop, pop. Donc, on va dessiner l'autre amphi. Alors, ça fait combien de temps que j'ai commencé cette map, Lynn? C'était le 12 mars 2017. Donc ça fait 1 an et quelques jours. 2, 3, 4. Eins, zwei, drei, vier. 4. Donc après, je pense qu'il y a des couloirs de circulation. Ah non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Si c'est bon. C'est ici que je me suis trompé, j'ai été trop loin. Alors. Tant pis, je le refais pas. Hein. Par rapport à mon plan, bien sûr. J'avais fait un petit plan pour voir où j'allais. Ça permet un peu moins de cafouiller. Donc là, ça doit être des couloirs de circulation pour justement accéder aux amphis dans les parties autres. Puisque en cas d'incendie et tout ça, il faut pouvoir évacuer le plus vite possible. Un bâtiment de cette grandeur. 4. J'ai dû le faire plus grand qu'il n'était. On va dire que c'est bien. Donc là, on retrouve le même petit souci avec avec nos vitres. Enfin, un petit souci. C'est vraiment un petit souci. Hop, hop. Et ici, on est là. Donc là, si on veut marcher, il faut pouvoir mettre des petits blocs. Ah, ben, je l'avais pas fait, là. Oh, vous me l'aviez pas dit? Là, si on veut passer, ça fait comme ça. Là, ça fait comme ça. Et hop. Donc celle-là, de ligne de vidéo, ça sera la numéro 30. Alors si tu veux un résumé rapide, regarde la 28. Je passe quasiment en revue tout ce qui a été construit. La 28, c'était la spéciale anniversaire. Je devrais stacker. À partir d'ici, ça devrait être stackable. Hop, hop. On a les nouveaux verbes grâce à World Edit. Nous stackons, vous stackez. Ouais, je peux stacker tout ça. Tu stack, il stack, nous stackons. Allez, un petit stack 1, un petit stack 2, un petit stack 3, un petit stack 4, un 5. Oh là, on peut monter haut. Un 6. J'ai dû démarrer de plus bas, parce que tout à l'heure je m'étais arrêté à 6. 8, voilà. Et ici, après le 4, on repart sur du 3 en décalage. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Eh bien, bonne fin d'après-midi, Edgy. Et merci d'être passé. Après, c'est du 3 tout le temps. On s'embête pas. Alors au niveau intérieur des bâtiments, ces amphis-là, je vais pas les. Ah, j'avais dit que je stackerais. Oh là 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 là. Tac, allez, on en refait un rang. On sélectionne ici, on sélectionne ici, et on fait un stack 1. Un stack 2. Un stack 3. Il en faut combien encore?
Un stack 4. Un stack 5. Et puis là, on finit. Donc, ce que j'étais en train de dire, ouais, c'est que je n'allais pas. Ah oui, c'est parce que ça, j'ai pas été vraiment jusqu'au bout là. Je n'allais pas détailler le bâtiment. Je vais juste faire quelques parties. Donc, le grand amphi. Bon, le coin bibliothèque, le coin cantine. Et puis. Alors, dans les salles de classe. Enfin, dans les salles de classe. Dans leur. Je pense qu'ils doivent appeler ça des laboratoires. Hein. C'est une école d'ingénieurs, hein, il faut que. C'est normal, faut que ça pétouille un peu. Hein. J'ai envie de faire des trucs en redstone. Puisque c'est une école d'électronique, alors on pourrait essayer de se faire des petits trucs basiques en redstone pour ça ferait office de petit tuto logique quoi. Tuto logique, ça fait bizarre. De tutoriel sur la logique. Je sais pas. Si j'ai du temps, hein, parce que le problème c'est que j'ai toujours pas récupéré, j'allais dire mes capacités entières. Si je les ai toujours eu en entier. Ah là j'ai fait une bêtise. Et vous me l'avez pas dit, hein, que j'ai fait une bêtise. On va faire le même système d'éclairage. Ici dans ces c'est-à-dire que le rond qu'on a là il est sur tous les côtés. Je vais faire le sol. Donc le sol c'est du 252,7. World Edit. Peut-être qu'on fera une entrée quand même. Hein. La Aston, on va enfin comprendre. Ouais, on fera des petites portes, des petites fonctions logiques. Et puis des cloques, des horloges. C'est rigolo ça, les horloges. C'est pas bien compliqué. Alors, pop, pop, où est-ce qu'on va faire les entrées? Ouais, ça le fait là. Je pense que là, on va retrouver le système de. Je les avais fait comment les. Ouais, c'est de la brique grise. Ah, le gars, il est censé être là. Alors, ici. Donc, ici, on va casser. Ouais, jusqu'à cette hauteur-là. Ah non, donc là, jusqu'à cette hauteur-là. Hop. Je sais où est le rond parce que je l'avais tracé. Ouais, il a deux de décalage, c'est ça, ici. Et après, il rentre par là. Il fait combien de haut? Il fait 3. De récupérer le fameux soleil. Oui, ça fait spécial. C'est les petits tapis bleus qui font sympathique. Et merci Souma 60-130. Pour ton suivi. 60-130, est-ce que tu serais un picard? Oh là là!
juste où avoir un truc au-dessus, j'arrive pas à monter. Alors quand il va y avoir le toit, bien sûr, hein, quand le toit va être fini, je pense à un pick-up, je vais avoir fini le toit aujourd'hui. Je pense, hein, je le live encore pendant une grosse vingtaine de minutes, et je pense que le toit va être fini. Je le sens très 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 bien comme ça, moi. Alors, ici, on va... Donc, même système, on casse ici. Tac, 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 tac. Voilà. Et donc, ici, on a 3. Ici, on a 4. 2, 2, 2, 2, 2. Voilà. 1, 2, 3. Et on vient clôturer le bâtiment comme ça. Donc ça, a priori, ça doit être... Que je regarde comment ici ça fait. Je vais regarder tout de suite sur le... Parce que j'ai l'éclat blog d'ouvert. Ah ouais, c'est compliqué. Oula. Alors il y a apparemment des... Il y a des planchers avec des vitres. Ouf. Au fond de ces couloirs là. Alors c'est peut-être des moyens de relier un amphi à un autre amphi. Peut-être que là c'est une rampe en fait qui permet de monter et du coup on a accès aux autres amphis par là. Pop pop pop, ça serait pas impossible. Bah, moi je me ferais peut-être un système comme ça. C'est-à-dire que la porte ici on va la faire plus près. Maintenant que j'ai dessiné ça, je sais où je vais pouvoir mettre ma... Bon là on va la faire pareil. Le prof il viendra faire son cours ici et donc la porte on pourra la faire ici. Et ce que je me ferai c'est une rampe pour monter ici et ça fera encore d'autres portes pour entrer dans l'amphi. Salut Oukari. Ah, la bago, ouais, ça fait j'en ai eu un, c'est ça fait hyper mal en effet. C'est très 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 douloureux ces choses-là. Allez, on va pas trop essayer de pas trop perdre de temps quand même. Je vais faire le, hop, je vais faire l'estrade ici pour pouvoir mettre la porte. En fait, je décalque le. Voilà, je peux avoir une porte ici. Hein. Ah, quoique non, ici on va aussi peut-être avoir un système de dalles. Quoique non, ça n'a pas l'air d'aller. Il y a peut-être des escaliers, je sais pas. On verra, on s'arrangera pour faire quelque chose qui ressemble, qui est fonctionnel. Mais sans trop se prendre la tête. À chaque fois, on peut en faire deux. Et hop, voilà. Bon, ici on va faire le dallage. Donc le dallage, c'est du 251.8. 7251.8. Et bien, au revoir à toi, Michel. Une bonne fin d'après-midi et merci d'être repassé. Hop.
Alors, j'en ai mis partout. Bon, sachant que là, s'il y a des rampes et tout, ou des escaliers, ça va être masqué, hein, mais bon. On verra ça par la suite, hein. Ouais, parce que ici, le truc fait est en montant, donc si ça tombe, ça cache une rampe. Hein. Ah, une rampe ou un escalier. Ça peut être un truc dans ce style-là, en fait. Hein. Tout à fait. Donc à partir d'ici. Une dalle. Hop. Et on suit la pente de la soucoupe en fait, hein. Ce qui nous permet d'accéder voilà dans les amphis par ici. Allez, on s'attaque au toit. Maintenant qu'on a fini le système d'éclairage. Hop. Alors, on va se faire un petit trou ici. Parce qu'on va utiliser la commande World Edit qui va bien. Il t'en manque un de l'autre côté. Il est caché. Il manque quoi? Quoi qu'il manque? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, c'est bon, c'est ça, c'est 8. 1, 2, 3. Un rayon de 8. Un rayon de 8 de 251. Donc, c'est H-Seal 251. 3, le rayon, 1, la hauteur. Non, c'est un rayon de 8. Pourquoi j'étais mettre 3? Ah, j'ai mis une dalle dessus, ok. Salut Baral. Hop. Et voilà. Ça, c'est un bon cercle à son pépère. Alors, on peut quand même faire on peut faire les rayons intermédiaires. Hein. Y a pas de problème. Ça fait toujours du remplissage en moins. 7. 6. J'ai peur de tenter le 5. Choc. Non, c'est bon, c'est valide. Faut juste finir le boulot à la main parce que... Ah, ben là c'est marrant, il y était. Donc après ça, on est avec des dalles. Ah, le problème, c'est que j'aurais peut-être intérêt... Ouais, en fait, j'ai fait une bêtise. Parce que là, ça va... J'ai intérêt à faire tout en quartz. Puisqu'on a des dalles de quartz. Donc, mais c'est pas compliqué, parce qu'avec World Edit... Donc le quartz, c'est 155. Donc... sélectionne ici. On vient ici. Hop. Et on fait un replace 252 par... Non, c'est pas 252. C'est 251 par 2... Par... 251 par 155. 251 par 155. Et hop, on a partout les plus jolis petits quartz. Du coup, ça va pétouiller un petit peu plus le quartz. Donc là, on était sur un rayon de 8. Là, on va être sur un rayon de 12. Avec de la dalounette. Donc la dalounette, c'est 44,7.
44, 7, on a dit un rayon de 12. Hop. Nickel chrome. Et puis après, sur un rayon de 16, j'aurai du quartz, mais en niveau en dessous. Donc pour descendre encore d'un niveau, on fait ça. Donc le quartz, c'est 155. Et là, c'est 16. Pop. Bon, ben, on a notre structure, il n'y a plus qu'à remplir maintenant. Alors, on peut quand même dégrossir, parce que j'ai pas envie d'abîmer les autres trucs. Les dalles, on va faire un rayon de 11. Et soyons fous, un rayon de 10. Et merci, Iadbens, pour ton suivi. Et bienvenue sur ce petit live. Tranquille. Ouais, voilà, c'est bien. C'est impeccable ça. On va faire pareil avec avec le quartz. On le fait sur trois rayons, comme ça on risque pas d'empiéter. Même s'il y a peut-être de très peu de chances qu'on empiète en fait. Donc on fait un coup de 15 et un coup de 14. Ça fait des trous bizarres du coup. Allez, on prend notre dalle et on bouche les trous partout. Non, position basse. Je pense qu'on aurait pu faire un cran de plus. Il doit plus générer des trous que venir écraser des trucs existants, mais moi je préfère le travail pas à la main, mais parce que faire tout ça à la main, j'aurais pas fini dans les temps. Alors que là, du coup, notre petite soucoupe volante. Parce que maintenant on peut plus l'appeler bol de céréales ou presse purée. Hein. C'est fini. C'est bien une soucoupe volante. Ça y est, j'ai fait le tour. Oh, ça va super vite en plus. Alors là, c'est des blocs. Hop. Après, il faudra que je mette de l'éclairage un peu dans les amphis, surtout celui que j'ai modélisé. Là, j'aurais pu le tenter parce que comme il y a un niveau différent, il n'y aurait pas eu d'écrasement. Il suffit juste que je faisais face, que je fasse le ménage après. Bon, faudra que je repasse pour combler et aller jusqu'en haut les murs. Ça, c'est pas méchant. Quand il n'y a que ça à faire. Ça, mine de rien, ça fait beaucoup de blocs à rajouter là. Terminé doucettement. T'as l'impression que il y a des rollbacks et à chaque fois une fois que t'as fini le tour, tu le refais en fait à cause des rollbacks. Et là, tu deviens fou parce que tu tournes tout le temps, tout le temps, tout le temps. Eh bien, merci Mister K pour ton suivi et bienvenue sur mon petit live tranquille. Où on se construit une soucoupe volante. En fait, l'amphithéâtre, les amphithéâtres de l'école d'ingénieurs. C'est marrant, le bord de l'école d'ingénieurs d'Amiens. C'est marrant, le bord de la dalle est très noir. Très très noir. Alors on va quand même mettre on va faire notre tour. Là on était à 16. Donc 17, 18, 19, 20, 21, 22. On va faire le tour de dalle à 22.
Hop. Alors les dalles, c'est 44,7. 22. Hop, on va vérifier. Ouais, il va falloir en recasser, hein, puisque sinon on n'a plus le passage. Et là, je vais gagner beaucoup, beaucoup de temps. Ouais, mais en survie, du coup, on l'aurait peut-être pas fait en quartz. On l'aurait peut-être fait en cobble. Quoique, dans la série Immersion, il y a Benito qui a fait, qui a reconstitué le Parthénon d'Athènes. On tente le 17? Ouais, allez, on le tente. Il a reconstitué le Parthénon avec un max de quartz. Donc il a été à l'endroit du spawner. Pourquoi je vois pas Ah si, c'est bon. Ouais. À l'endroit du spawner, il a enlevé, sur un rayon de je sais plus combien de blocs, il a enlevé tout le quartz. Il a miné tout le quartz, c'était. Le noir, c'est à cause de la pollution. Tac, tac. Donc là, c'est marrant, on peut faire tout le tour. Alors, dans le vrai, en fait, le truc monte plus haut. Mais bon. J'ai fait une bêtise. Parce que là, il y a des petits trous à boucher. Oh là 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 là. Lui, il est trop. Toi, t'es trop. Toi, t'es trop. Tu es le maillon faible. Toi, tu es le maillon faible. Toi aussi. C'est plein de maillons faibles. Là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Il faut que je regarde l'heure pour pas être en retard. Ouf. Non, là, c'était bon. Je peux pas taper des blocs et regarder l'heure en même temps. Toc 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 toc. Alors je pense qu'il y a un sacré entretien sur ce bâtiment parce que quand on voit les photos, il est quand même bien blanc donc il doit être régulièrement repeint. Bon après école d'ingénieur, il y a plus de sous à mettre, il trouve plus d'argent à mettre là-dedans que aussi. Hein. Peut-être. Hop. Oh là. Ouais, puis il y a les effets d'ombre, mais ça, c'est toujours les grands classiques de Minecraft avec les dalles et les escaliers. La gestion de la lumière est chelou. Ah, j'ai pas regardé pendant mon petit passage en 1.13 si bon, d'un autre côté j'ai pas beaucoup, beaucoup posé d'escalier. Je crois que j'y retourne. Hein. Alors, ça y est, on va faire le tour pendant des années et des années. Je vais devenir fou. Hop. Eh ben c'est bon, ça y est, on a fini. Ah ouais, là c'est franchement noir. Et on va reboucher ici. Bon, pas avec des dalles. Voilà. Et on va peut-être lui mettre. D'ailleurs, j'avais prévu en fait. Du coup, pour qu'en bas ça fasse pas drôle, on aura peut-être intérêt à transformer le quartz en béton gris. Et du coup, ça doit faire sombre à l'intérieur. Ah ouais, il y a déjà des chauves-souris. Allez, on va se faire un petit tour. Ouais, c'est dommage l'ombre. C'est dommage l'ombre. Peut-être qu'avec les shaders. Option shader. Mettre des chocs à pic. Les chocs à pic, ça va bien avec l'histoire de bol de céréales. Je sais pas pourquoi.
Ah ouais, là ça fait mieux. Ouais. Voilà. Ah ouais, puis on a quand même une meilleure gestion de l'ombre et tout, ouais. Pac. Ah, avec le reflet dans l'eau. Oh, sympatoche. Ça a vraiment bien la forme d'une soucoupe. Ouais, tout à fait. Puis, et quand on passe, je dis, ici, là, sur le boulevard, ouais, ça, c'est vraiment Zarb comme bâtiment, quoi. Il n'y a pas de doute, hein. Allez, on va se faire l'intérieur, mais ça va être très sombre parce que comme j'ai très peu éclairé. Donc là où il y a avec la lumière du soleil, on voit que ça rend bien ça restitue bien le truc. Par contre, dans l'amphi, ah ouais, leur amphi. Bonjour les. Allez, on va s'installer là. D'un autre côté, on voit bien le soleil. C'est super. Ah, je mettrai de l'éclairage hein, quand même. Hein. Je vais mettre du. Hop. On va mettre ça au plafond. Aux endroits judicieux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hop. 1, 2, 3. Hop. Combien j'ai mis 3. Histoire d'être un petit peu symétrique. Ah, ça éclaire pas beaucoup quand même. Hein. Allez, j'enlève les shaders. Options, graphique, shader, off. Hop, terminé. On reprend la partie. Ouais, ça reste sombre quand même. Hein, donc j'en mettrai plus. On va en mettre ici là pour les profs. Ah, il y a les bugs, les chunks qui se réactivent pas. Hein. Ok, dac. Ce que je peux faire ici. Ah non, je suis en dessous. Ah, et puis en dessous. Ah, dommage. Ah, ce que je peux faire, c'est ici. Et puis une petite. Voilà, oui, tout à fait. Je peux faire des choses comme ça, voilà, pour dire avoir un éclairage un peu sérieux. Voilà. Eh ben, on va se terminer là le petit live. 2h40 quand même. Hein. Donc je vous remercie, merci d'avoir suivi. Petit conseil que vous m'avez donné, surtout sur les blocs qui restaient, mais moi j'en vois vraiment pas. Et puis, et donc, je vais vous souhaiter une bonne fin de. Pas une bonne fin, le week-end n'est pas fini. Hein. Donc, un bon week-end. Un bon week-end, surtout que c'est un week-end de 3 jours. Alors, normalement, lundi soir, je devrais être rentré. Et donc, je ferai mon live comme d'hab lundi soir. Et on retourne en Chine. Hein. On a plein de choses à faire en Chine. Donc on se retrouve en Chine lundi soir et puis celui de jeudi on ira peut-être à Zedania. On va se trouver quelque chose à faire à Zedania pour varier un petit peu et puis pour pas faire tout le temps les mêmes choses. Donc je vous souhaite une bonne continuation et puis à une prochaine. Et puis merci à ma modo. Ah, ma bonne douleur. Allez, des bisous, à plus.